disait bonjour. Au fait. Pardon, excusez-moi. Vous allez sûrement le voir tout le long du live. Parce que. Quelqu'un a eu la bonne idée de mettre des piles dedans. En voyant qu'on pouvait mettre des piles dedans. Et du coup, voilà. Comme ça, je suis bien cadré. On va directement lancer le jeu, on va pas perdre de temps. D'ailleurs, je vais pas me connecter la dernière fois, je vais directement passer les chronos. Et je suis bien trop barré, excusez-moi. Du coup, on avait dit qu'à droite ça allait bien, ici comme ça. Là. Voilà. Attendez, je vais le décaler avec. J'étais au travail aujourd'hui, c'est ça que j'aimais pas live. Croyez-moi ou non, mais je pourrais live au lieu d'aller au taf. Je le ferai, malheureusement. Je ne peux pas. Pour des raisons qui sont, ma foi, assez logiques. Voilà. Bref, on va couper la musique, c'est bon. Tout ce qui sert à rien, c'est-à-dire tout ce qui est allumé sur Python Plus actuellement. Oui, dégage du torrent. Oui, dégage Origin. Origin prend genre 3 ans à dégager, c'est un truc de merde. On dirait un logiciel genre pirate, genre qui fonctionne pas comme il faudrait, qui répond mal et tout. Alors que mes autres logiciels un peu pirates, genre style uTorrent, bah eux ils réagissent bien. Dégage, dégage quoi. Oh, uTorrent, juste une fenêtre. Vous êtes sûr, on va fermer uTorrent? Bah oui. Connard. Je ferme mes Discord. Je ferme mes requêtes. Non, sur mes requêtes, faut que je lance. Steam. Je regardais. Je me suis fait un petit marathon. Du Randall Alien Covenant. Je me suis maté le vlog. Puis les deux épisodes qui sont sortis dessus. Puis. Ah, ils ont sorti ce gars-là. Puis je me suis maté. Le making of qu'il a fait. Tu sais qu'on a rejoué hier, apparemment. Oui, c'était hier, mais il était minuit. Minuit passé, il était 1 heure. Vous savez, pour les multiples coupures qu'il y a pendant le live et tout. J'ai trouvé une idée en fait, ce qu'on va faire c'est que je vais quand même monter, mais juste R4 quoi, pas Dead by Daylight, Dead by Daylight c'est trop chiant monter, surtout que j'ai vu que DBD il y a des parties de live qui ont été splittées genre, mais je déconne pas quand je vais dire ce que je vais dire, ou splitter en 3 parties pour une live de 3 heures, c'est-à-dire que chaque heure ça coupe quoi, enfin c'est pas possible en fait, c'est juste jamais de la vie. Charger ouais, ah, ça c'est jouer à la souris, pas à la manette, pourquoi je joue à la manette. J'ai jamais joué R4 à la manette. J'ai joué à la manette, oui, mais j'aime jouer à la manette. Putain. Pousse-t-on en Espagne. Je sais jamais comment appeler mes live let's play en fait. Je sais pas déjà. Oui, ça se passe. Je sais pas par contre qu'il y a eu l'idée de mettre Ashley en jeu. Mais c'est pas la meilleure idée du monde. En vrai, j'ai un peu hâte de faire Resident Evil 6 pour être honnête. Parce qu'on m'a dit qu'il était nul, mais. On m'a dit qu'il était nul en vrai, Resident Evil 6. Mais j'ai vu vite fait la description du jeu, ça a l'air sympa. J'essaie le moins de spoil possible, hein, bien sûr. Mais... Ils sont sympas d'avoir mis ça là. Il ne fallait pas. Comme ça, il ne faut pas faire ça. Mais... Faire ça! Dommage pour eux. Alors, j'ai vite fait regarder, il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils esquivent la part des combats, moi j'aime pas trop. On fera ça pour Resident Evil 2, parce que je sais que les premiers Resident Evil, c'était des jeux où il fallait plus esquiver les combats. Sinon, tu te mettais forcément dans la merde, en fait.
C'est frustrant d'esquiver des combats, mais c'est ce qu'il faut faire. Surtout que Resident Evil 2, je dis maintenant, je jouerai, je pense, à la difficulté maximum qu'il me propose. Sauf s'il me propose une difficulté genre hardcore ou un truc comme ça. Genre s'il y a facile, normal, difficile, professionnel, je prendrais difficile, je prendrais pas professionnel par exemple. Je me respecte quand même un petit peu. Got some rare things on sale. What are you buying? Ah, le Red 9. Oh, j'ai jamais trouvé ce flingue joli. Oh non, comme en fait. Lance-roquette, y'a rien qui vaut d'acheter le lance-roquette là prochainement. Même si je sais qu'il y a un boss qu'on va affronter, il vaut pas le coup. Ah, je peux. Puissance de feu, c'est bien parce que je voulais augmenter. Bon, la contenance, je m'en fous. C'est plus la cadence de tir. Is that all? Thank you. Is that... Thank you. What are you buying? What are you selling? What are you selling? Ah, I'll buy it at a high price. Bah, je te dirais. Ah, c'est ça qu'il faudrait entrer, sinon ça veut pas. En passant, c'est pas ça. J'ai expliqué pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi. Is that all, stranger? Thank you. Come back. En fait, la chope, il faudra la vendre dans le château. Il y aura plus de valeur, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on va mettre des bijoux dedans. C'est aussi qu'on aura vendu de l'œil de chat, c'est qu'on va mettre l'œil de chat dedans. C'est parce qu'au château, juste le mec est décidé d'acheter plus cher, c'est juste que non. Ce serait marrant d'ailleurs, en mode bon, tu me la vends ou pas, aller chercher le plus cher. Ce serait une mécanique plutôt rigolote. Une fenêtre ici. Ah oui. Ah, oui. Est-ce que le son est assez fort ou pas? Attendez, je teste vite fait. Ouais, le son est beaucoup trop fort en fait. Deux secondes. Paramètres vidéo. Plein écran désactivé. Deux secondes. Alt F4. Je rappelle que pour quitter le jeu, faire Alt F4, il n'y a pas d'autre solution. C'est pas une blague, hein, c'est juste, il n'y a pas d'autre solution pour faire Alt F4. Le stream. Tac, voilà. J'ai baissé le son à moitié. Non, c'est dingue comment je peux monter le son en fait du live. Trouver une solution pour arrêter les écrans noirs qui n'arrêtaient pas d'apparaître pour la première partie, c'est quoi? Je vais laisser l'écran fenêtré. Vous, ça change rien en fait. Donc c'est. Voilà. Il y a une partie là, prochainement qui me fait un peu peur. Pas parce que c'est effrayant, mais parce que il est un peu difficile. C'est le prochain boss en fait. C'est. Deux secondes, est-ce que le son est assez bon ou pas? Oh, mais c'est encore trop fort en fait. Le son est aussi fort, faut pas qu'il soit aussi fort que ma voix. Bah, c'est jamais que avant, mais. En tout cas, l'ambiance là est assez oppressante. Mais non, en fait, ce que je te tapais. Espèce de gros connard. On va rechanger vite fait les réglages. Excuse-moi, Jean-Michel, je t'embête pas plus longtemps. Ouais. Malheureusement, pas changer non plus le son du jeu en jeu. Donc, attends, je retaise, vous savez quand même pouvoir ici au chargeur, ajustement de la luminosité, voir une vidéo. Non, on ne peut pas malheureusement. Alt F4, je rebaisse le son du live. Parce que c'est la vie. Voilà, je vais rebaisser. C'est parti, Resident Evil 4, on lance. Est-ce qu'on fait un test son?
c'était horrible. Ça a l'air d'être mieux quand même. Je crois qu'elle va se prendre dans les pièges elle aussi d'ailleurs. J'ai déjà essayé de lui faire prendre dans un piège, je suis sadique. Ok, cours. Ashley, cours. Ashley, cours. C'est trop con, ils vont tuer Ashley. Mon neveu pervers. Tout va bien se passer. Voilà. Ok, tranquille. Bon, je peux pas régler le son du jeu à part en fait, donc on va s'y faire. Merde. Bon, c'est bon. J'étais pas à se plagasser comme il fallait. J'aimerais qu'on ait jusqu'au château aujourd'hui. Ouais, je compte pas aller très très loin aujourd'hui. Au moins jusqu'au château. Après, on verra. So, Sera est le troisième groupe. Pour une miniature, où se trouve Sera, il doit prononcer le passage secret qu'on lui a montré. Son grand-père qui chassait dans cette région il y a bien longtemps. Ce qui se cache dans notre domaine, quelque part dans la forêt. Si son grand-père. Bonjour. C'est pour trouver Sera, mais comment as-tu su qu'un œuf avait été injecté dans son corps? De plus, le fait qu'il ait réussi à retirer avant l'éclosion est préoccupant. Oui, je suis en train de mettre ma ceinture. L'autre sujet qui m'inquiète, c'est que Louis se soit échappé trop bien juste avant l'arrivée de l'agent américain. Je pense pas qu'il s'agit de sa consistance. Personne ne prend le coup. Pour tirer les choses au clair, il faut capturer Louis. Et rien que des médicaments cessent de haït. Le fait que tu lui injectes un autre œuf. Cela fait le coup. Cela fait le coup, pas trop osé, personne ne va contrecarrer nos projets. Ceux qui essaieront le paieront très cher. Ok. C'est intéressant. Je crois du principe que l'on sait qui se fait injecter un œuf, bien sûr, évidemment. Son autre, il a dit oui, ça a l'air, c'est vrai. Alors pour être honnête, j'aurais pu qu'Ashley avait une barre de vie. Pour moi, Ashley, faut pas mourir à cause des coups. Genre, on peut se prendre des coups, mais elle mourrait pas. Oh, ta gueule. Sérieux? Je veux pas le taper. Ah, c'est cool que Ashley soit intelligente, par contre, qu'elle se déplace... genre, elle va toujours derrière moi. Elle reste pas devant moi comme une conne, comme ça. Ça, c'est cool. Hein? Il est con? Je ferai un très mauvais tueur des BD. Genre là, recule quoi. Enfin, c'est mis devant moi, d'accord, mais. Là, c'est remis derrière quoi.
bien, je l'ai. Merde. Triple merde. Et où je fais? Qu'est-ce que je dis sur Ashley? Pourquoi elle m'a pas suivi? J'ai pas compris. Seulement elle était genre un mètre derrière moi, parce que je voyais pas quoi. Non, d'accord, c'est perdu. Ah putain, je recommence là. Non, en vrai, ça va, c'est pas si dur. Juste que je fais le compte, ça, ok, d'accord. Ouais, je les achève au corps à corps seulement quand ils sont seuls. Il me faudrait une autre arme en fait. Genre. Une arme qui fait des gros dégâts en fait. Bah, vous allez dire le fusil à pompe, c'est vrai. Je préfère le fusil à pompe. Mais j'aimerais en avoir un autre fusil à pompe. Et l'améliorer. Un meilleur. Je sais qu'il y en a un meilleur plus tard. Il y a un striker et un autre, je crois. Ou alors il y a que le striker, je sais plus. Ah, je sais ce qu'il fait. Qui fait la wesh. Là, je devrais pas faire ça. Recule, recule. On court. Je fais une connerie. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Merde. Putain, deux, j'ai même pas vu qu'il y en avait deux. Ah non, tout le temps, dès que je vois un Plagas. Rien d'incapacitante. J'ai chaud. Ok. J'ai un peu hâte aussi de faire Resident Evil 2, évidemment. Resident Evil 2, j'ai même à le faire hors live en fait. J'ai peur que en live ça rame et du coup je m'aille pour rien et que je prépare un live pour rien. Alors qu'on a un nouveau PC. Hein. Puis mais limite, on l'en fera genre une seconde fois ou alors s'il y a un mode différent. Voilà quoi. Je sais par contre, il y a un mode avec Ada dans ce mode là, je pense pas qu'on fera en live. En fait. Putain, les pièces sont déjà fermées, c'est cool ça. Avancer, ça me saoule. 1000 pesetas. Quel plaisir. Je rappelle que c'est pas beaucoup 1000 pesetas, c'est genre 15, on a dit 3 euros, un truc comme ça. Ça va pas le vertige en vrai. Hein. Qu'est-ce qu'il y a vraiment rien? Voilà, si, mais. Merde, j'ai tout vu. Ça se rappelle de mon nom. Je sais comme c'était incroyable, mais en réel, j'ai oublié son nom. Ouais. Welcome. T'as intérêt à vendre plein de trucs trop cool. Acheter. Je suis tenté d'acheter ça en vrai. C'est quoi, j'ai beaucoup d'argent qu'on va l'acheter. Ouais, en plus, c'est la partie là qu'on va faire vraiment dur. Je pense qu'on va pas le regretter. Hein. Ce qui est bien, c'est par contre, c'est qu'on n'aura pas Ashley, donc on est vraiment libre des mouvements. En vrai, Ashley dérange pas tant que ça, hein. C'est juste un petit plus qu'on n'ait pas Ashley derrière nous. Quoi. Oh, ça va. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great.
We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. On le voit ou pas, hélico d'ailleurs écrasé? Il me semble que si, on le voit. Ça, je me rappelle parce que, en fait, j'explique vite fait une petite histoire. Oui, le jeu, j'ai vraiment pris du temps à le finir en fait. J'étais toujours bloqué au château, du coup, je recommençais le jeu en boucle en fait. Parce que je trouvais le château dur. Parce que j'étais très jeune aussi. Et c'est dans cette partie-là, je me suis toujours imaginé à chaque fois que je voyais ce dialogue. Que c'était vraiment un monstre qui avait truc l'écho, je me dis, tiens, le monstre doit être vachement fort quoi. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, your highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first. Pourquoi ils ont enlevé un petit son dialogue? Ashley Graham, the president's daughter. Is she? Well, you know. Don't worry, she's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look. Elle a pas froid parce qu'elle a un pull autour du cou. Pourquoi elle me passe? Okay, it's game time. Oui. En tuer 13, je crois, on m'avait dit. Il y a un délire comme ça. Et après, c'est fini. Du coup, le temps qu'on se prépare. Et il faut monter en haut seulement si c'est genre trop la merde en bas. Ce qui est bien, c'est que Louis il vit infini par contre, ça c'est sûr. Merci. Ça va. Merde. C'est de reculer. Ah putain, je veux pas reculer, on va recharger, on peut pas. Pas bouger et recharger en même temps en fait. Enfin, annuler une recharge et bouger. Deuxième fois que je vais avoir à cause de ça. Oh, on reprend là, sérieux. Je vais acheter un spray. Putain, j'étais bien pourtant. Si je me suis rendu compte, je pense pas que je fais aussi mal aussi. Sûrement. Alors, par contre, des grenades incendiaires, autant j'en ai rien à foutre, j'ai envie de tous limiter tous ces mondes, mais alors. Je vais pas lui acheter de grenades incapacitantes. Non, je pense que ça serait trop pété sinon. Les grenades incapacitantes, c'est vraiment genre le truc béni quoi. Oh, j'ai un black bass en plus. J'ai un poisson dans. J'ai une valise avec un poisson dedans. What the fuck.
partie, c'est une des. Franchement, une des plus marquantes du jeu, je trouve. Oui, une plante verte, une grenade. Limite, en fait, quand je vois un Plagas, faut pas que je recharge, faut que je. Faut que je switch d'arme, en fait. Merci mec. Attends, j'ai envie de barricader là, là. Comme dans Black Ops Zombie. De la fenêtre aussi. Ah, tu sens par contre qu'on peut l'améliorer. Hein. Je charge, j'ai le temps. Merde, je peux pas. Je cours pas de risque. Hein. Combiné. Tac, 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 tac. Combiné. C'est bon, je te couvre, mec. Putain, Resident Evil à 2, ça doit être tellement bien. Je crois qu'il y a un Plagas juste à côté de moi, mais je suis pas sûr. Deux secondes. Ok, non, c'est pas Plagas. Ouais, non, c'est pas. Bon, on va trop vite en besoin. Donc là je switch, même limite j'ai envie de balancer une petite incapacité en fait dedans. Voilà, ensuite je prends ça, non, je prends ça. Faire une barrière comme ça, ils vont pas bouger. Je pense que le feu reste, hein, c'est pas un truc, c'est pas une grosse arnaque. Non il reste pas. Non sérieux. Je tentais de recharger le fusil à pompe là. Je vais tirer sur Louise donc je vais pas lui tirer dessus. Son mec. Merde. Oh là là, ça se terminait jamais.
they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out, so I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Lewis. J'aime pas qu'on ait une sauvegarde ici, je vais complètement zapper. Tac. Oh oui, quel plaisir. Des munitions de pistolet, oh oui. Oh, pas de munitions de pistolet. C'est vrai que si je suis à pompe, ça fait un peu pas le figure. Un changeur. Mais c'est vrai, hein, les fusées à pompe comme ça, je crois que c'est même 5 cartouches dedans. C'est pas 6, c'est 5. Il y a un truc du genre. C'est vrai qu'on aurait pu être dehors et mieux naviguer. Tiens, il fait quoi lui? Depuis le début, il refournissait des armes. C'est pour ça qu'il y a des grenades et tout. Il y a un truc là-dedans. Alors, Sadler vient de me dire que nos hommes avaient. Va battre un hélico de l'armée américaine. Il y aura un renfort pendant 50 ans. Tant que le gouvernement américain n'aura pas de démasque de traite, il ne pourra lancer que les opérations secrètes en vrai. Sachant pour capturer la fille. Les militaires peuvent permettre aux Américains de s'échapper de notre territoire. Nous arrêterons ici. Faire appel à tous nos effectifs. Nous concentrons nos hommes sur un des itinéraires et ne passeront pas. Sur l'autre itinéraire, notre aide du comité s'occupera de tout. Quel que soit le chemin choisi, on rejoint la fin d'une sortie passive. En vrai, j'ai envie de prendre le El Gigante. Mais je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est à la droite, El Gigante. Il me semble que c'est à la droite. Ah, dis-moi que tu vends des gros trucs de ouf. El Gigante, limite, vous voyez, ça me tente d'acheter le lance-roquette. Y'a rien de nouveau, tu m'as menti. Pour toi, l'ancien quête 30 000, 30 000 c'est pas tant que ça. Hein. Genre, pour moi, de me souvenir, l'ancien quête, il coûtait 100 000, un truc du genre. Je suis encore puissance de feu que dans le tir, vitesse de rechargement, contenance. Ah oui, on peut améliorer la contenance du fils à pompe. Ce qui est incohérent, mais pourquoi pas. Ouais, t'es le gigante, faut juste courir en fait. Limite, on pourrait même le tuer. Mais le problème, c'est qu'il y a Ashley. J'ai déjà tué, c'était pas si difficile que ça. Mais le problème, c'est qu'il y a Ashley. Et voilà. J'ai pris le fusil, je me rappelle. Ouais, c'est le gigante. On peut lui faire tomber des rochers sur la gueule, je crois, en tirant sur des machins. C'est ça. Ouais, recule. Cours. Moi, je vous ai fait chiffrer, on une fois fouillé, vraiment les cabanes et tout. Ça va, vous avez pas trop la pression là? Ah, mais quand même, il y a des trésors. Ça va, je pense que ça va être trop mal senti.
Dès qu'il s'approche, j'en suis. Un incendie dans la gueule. Là. C'est vraiment interface Steam. Ah, j'ai plus rien pour me soigner, j'ai que ça. Bah, j'ai bien fait de l'acheter du coup. Bah, bon, ça fait chier quand même quoi. Cette vie, je trouve. Le gauchin qui bat la patte derrière, ça me fait rire. Tu veux crever, oui. Pas crever, hein, c'est un truc de malade, hein. Je rappelle qu'il s'est pris un refus dans la gueule aussi, hein. Oh mais putain, ça fait du mal que tu meurs maintenant. C'est bon, t'es mort? Oh oui, pitié, pitié, pitié. Alors, anecdote con, ouais, on peut se faire écraser par le Al Gigante. Oh oui, 15 000 c'est rien parce que je me retardasse tout le temps mais... Quand même. Non sérieux? La clé était là? Je dis, ah c'est lui qui la tient, faut forcément le tuer en fait. Et non c'est juste le putain de dernier objet qui était par terre. Putain niquez-vous quoi. Ils tous bien vous faire foutre. J'ai vu un truc par contre. Ah putain, il y avait un rocher là, je suis trop le mort, putain. Bon, non, on se rentabilise en argent pour s'acheter des soins, quoi. J'ai 3 soins avec Digant est mort. Ça nous rembourse un peu quelques trucs. Ça nous rembourse, mais ça nous fait gagner de l'argent. Non, mais sérieux, quoi, putain. On a ramassé beaucoup de balles épicées encore, voilà. Que ce soit dans la cabane avant et elle du gunté maintenant. Il tue partout lui, hein. T'es Benzaï, il disait putain le mec qui se téléporte. Moi, il a raison, Benzaï. D'ailleurs, j'ai regardé vite fait le live de Benzaï. J'en ai pas parlé. Le live de Benzaï sur Resident Evil Village, le 8, la démo. J'étais surpris de voir qu'il avait aimé. Voilà, ce que je veux dire. J'en ai un survivant, je pensais qu'il nous faut attendre la question dans son corps. Il risque de détruire tout le village. Oh, c'est un vrai problème. Sans devoir changer nos priorités pour l'instant, c'est sans rechercher. Oui, c'est étendant l'embuscade des Américains, une cabane. Ça va torturer les trucs. Il a sorti l'ascenseur. Mais elle pourra rendre un guet-apens. S'ils survivent, ils devront m'affronter pour franchir le dernier portail qui mène hors de ce village. Car le portail ne sera que sous mes yeux. Vous doutez qu'il sera le boss? Alors c'est con ça, mais j'avais des corps très tard, en fait, ouvrir ce casier à la con. En fait, les casiers, c'est tellement un élément de décor au pif que je t'ai pas dit, tiens, on peut les ouvrir. Vous remarquerez que souvent, quand il y a une machine à écrire, il y a des notes à côté. Genre là, il y avait des notes. Tout à l'heure, il y avait des notes. Donc c'est pas non plus complètement débile. Cette machine à écrire, c'est vraiment un truc de saillant, je pense. Plageur. Non, je déconne.
What are you buying? What are you buying? What are you selling? Fusil, je sais pas si je les vends parce que peut-être que je jouerai au fusil après. Je sais pas. Vous avez bon par item, par contre, je suis sûr que je jouerai pas à la mitraille. Je déteste la mitraille. Je trouve pas pratique. Ah ouais? Du coup, j'ai pas la vente, j'ai presque la vente. Attends, je vais acheter des soins à ce con. Je vais en acheter 3 à ce prix que Gigante nous a donné. What are you buying? Is that all, stranger? Voilà. Je vais pas faire un live rangement de inventaire, mais franchement, on serait capable. C'est cool, mais si j'étais en 104, par exemple, je sais pas si j'aurais. Ah putain, j'ai que 2. Par exemple, si je fais un 104, par exemple, je sais même pas si j'aurais pas dans mon inventaire. En 104, je crois qu'il prend tout le long de l'inventaire. C'est un truc de fou. D'ailleurs, j'ai acheté la mallette M, ça m'étonne de moi. Je sais pas pourquoi je l'ai fait hier. Je sais pas si j'ai justifié hier parce que normalement, c'est le genre de truc. Genre, j'achète pas la mallette là, j'achète la mallette au château dès qu'on arrive au château. Attends, c'est moi, il y a un mec. Là-haut, debout, au pif, comme ça. D'accord, t'as joué un fusil. Oh, lui serait passé. En fait, d'ailleurs, j'ai regardé pour charger, en fait, ça nique pas nos chargeurs, en fait. Hein. C'est genre, il trie les balles, en fait. Le jeu trie les balles pour nous, c'est cool. Le petit point d'achat. Ashley, c'est vraiment nom, je sais pas, de bourgeoise, aristocrate, anglais, britannique. Et là, t'es content d'avoir le Punisher. Tire à travers les cibles. Changer en fait, y'a aucun problème. Il n'y a pas qui mettre en bas, non, c'est... Non, c'était calme dans les souvenirs aussi. Ah, y'a un truc là, je crois que je peux y aller en plus. Avec Ada, on y va, c'est sûr, mais avec Léon, on peut y aller. Avec le tour. Quel thug. Putain, le bruit du vent et tout, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir le vent qui souffle sur les bras, ça me donne froid. C'est terrible. Il fait froid chez moi aussi, en fait, tiens ce qu'il y a. Il fait pas froid, genre il fait pas 15 degrés, mais... C'est parti pour ce soir. En vrai, je tente d'avoir de l'arbre verte pour son Ashley, mais en vrai, je devrais pas. Parce que Ashley se prend un coup, elle est morte, en fait, là. On peut pas se mentir.
Lui, ça me fait chier de niquer un spray entier pour ça, quoi. Pour que spray soigne toute ta vie. Il y a un boss, par contre, je suis désolé, mais on va utiliser le lance-roquette pour le battre. Parce qu'il est vraiment trop chiant à battre, sinon. Je dis pas c'est lequel, mais c'est le deuxième gros boss du jeu. Ah, peut-être le truc serti là que j'ai. Non, c'est œil de chat jaune. Il arrive le dernier de château. Et après, on a la shop en mode bling bling. Deux secondes. Pas descendre l'échelle sinon. D'ailleurs, les montres, tu peux pas descendre les échelles aussi. Je vais faire ce que tu fais là. Alors, je le fais jamais, on peut tirer sur la dynamite et les torches des mecs, ça les brûle ou ça les explose, selon ce que c'est. C'est joli quand même, hein. Là, le fait qu'on voit. Oh putain, trop beau. Le fait là qu'on voit pas en bas, je trouve ça vraiment stylé. Ça peut être pareil pour un truc fainéant au niveau graphisme, genre, bah y'a rien, on affiche rien comme ça, on a rien affiché littéralement. J'aime bien. Non, je vais pas regarder maintenant, je vais regarder après. Oui, on est sur le... J'ai dit oui. J'aurais dû sauvegarder, ça m'aurait pris moins de temps. C'est marrant parce que je vais lui revendre ce que je viens de piquer. Là. What are you selling? Ça sert plus à rien d'acheter la carte au trésor maintenant. Pour une balle, allez. Ça veut dire que je remets une balle dans mon frangeur, quoi. Ouais, par terre, je crois que c'est un serpent, c'est ma ceinture. J'ai réagi de manière trop sereine pour quelqu'un qui a cru voir un serpent en sa maison. Non, c'est juste ma ceinture. Merde, j'ai pas sauvegardé. C'est pas grave, j'ai deux sprays de soins et le boss est pas très dur à battre. Il est un peu chiant mais pas très dur à battre. Parce qu'il bouge beaucoup en fait. J'étais quand même incendiaire, on peut se cacher. Putain, je sais plus. Waouh, en vrai t'es mort. En vrai, tu n'es pas paraplégique. Hein. Mort tétraplégique. De mille pattes dégueulasse. Ah. Merde.
Je ne sais pas du tout ce qui me sort un deuxième QTE. Oh mec, tu vas déguster. Alors là, faut juste prévoir ses mouvements en fait. Ah, oh, je me suis téléporté, c'est cool ça. Ah sérieux, je vous prenais un coup, je mourais. Ah mais j'aurais su, j'aurais pris un soin, je suis con. Ah mais je savais pas moi. Pour ma défense, je ne savais pas. Ils vont me ramener au boss, faut pas me ramener à machin Stranger. Ah si putain, ils m'ont fait. Non non, pour ma défense, je ne savais pas du tout qu'ils faisaient ça quoi. XC au clic gauche, clic droit, de toute façon, les touches d'esquive donc. Attends, déjà. Ah, fait tirer dans le truc du milieu en fait, pour que tu... D'accord, je vais comprendre. Ça n'empêche que... Merde, merde. Donc là, faut que je me soigne parce que sinon il me tue. Ça rompt. On fouille tout et on se casse. Non, j'ai mis beaucoup moins de balles que tout à l'heure, quoi. Genre au moins, je sais pas, je vais dire un truc au pif. Tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir mis 30 balles, là j'ai l'impression d'avoir mis 10, quoi. Alors que là, il est mort. Oh, ça, c'est mythique, excusez-moi. Mais c'était pas très intéressant si le mec il ramassait un œil, je trouvais pas ça très pertinent. J'ai ramassé la grenade. Parce que les grenades en vrai c'est bien. En vrai, franchement, ouais, je vais ramasser. Non, les grenades en vrai c'est bien. Les grenades, pour s'en dire, c'est très bof. Mais les grenades pas incendiaires, alors c'est très 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 bien ça. Les balles de pistolet, je prends tous les jours. Oui. Je suis ok. Le machin, il prenait feu, mais j'étais pas paniqué. Hein. C'était genre, je faisais ma vie, tout ça. Ouais, tout va bien, je vais bien. Ah, si, il y a un endroit où le TMP est utile. Parce qu'en vrai, avant, je jouais beaucoup avec le TMP. Le TMP, en plus, je jouais avec, je me rendais compte que c'est pas ouf. TMP c'est bien en fait pour un truc, c'est bien faire des combos. Genre faire jeu au corps à corps, quand tu fais beaucoup de coups, genre pour tirer les jambes et la tête, genre pour mettre des coups de pied et tout. Ça c'est bien pour le coup. Mais sinon.
Enfin, j'apprécie faire des dégâts, donc au pistolet en fait. TNP, je te vends tout ça. Oui. Je vais peut-être mettre une chemise que j'ai vraiment, je caille vraiment ma race. Ce jeu me le rappelle en plus, donc c'est un truc de fou. Il est mis en montant ou il nous téléporte directement haut, je sais plus. Parce que si ça nous téléporte pas directement haut et que. Ouais, non, c'est bon. J'ai l'impression que je cherche une chemise pendant que ça monte. S'il n'y a pas d'ennemis, c'est bon. Allez, bon, encore une fois, on dirait vraiment un mec qui fait de la J-pop, quoi. C'est un truc de fou. Et je sais plus si c'était comme ça dans Resident Evil 2, parce que Resident Evil 2, j'ai quand même vu des. J'ai vu à l'époque, quand j'étais gosse, je regardais des let's play des speedrunners qui jouaient à Resident Evil 2. Même pas une heure qu'on a avec deux châteaux, putain. On va aller quand même un peu plus loin, quoi. On les ignore, il y en a qui font ça sur du film, on les ignore. On n'a pas le temps de se les affronter, là. Alors, il y avait un. Alors, c'est Casse qui m'avait expliqué qu'il y avait un type qui avait analysé un peu Resident Evil 4 de bout en part. Le mec a fait tout, mais n'importe quoi. Genre, il a essayé de voir si on pouvait tuer une espèce de, un boss, je vous dis pas lequel, mais il est au château. Seulement en le fracassant la tête à coup de porte. Lui, on peut, mais il avait dit que ça lui avait pris 3 heures, un truc comme ça. Et du coup, le gars avait expliqué qu'en fait, pour lui, dans une logique la plus logique possible, il y a d'autres villages. Alors, le gars était précis, je sais pas si c'est laissé au pif ou c'est vraiment en faisant max de recherches qu'il y a dessus. Et pour lui, il y a 5 villages en fait autour du château, genre en mode il y a le château, en là, en là, en là, en là, en là. C'est vraiment genre. Full recherche quoi. Je trouve ça très impressionnant. Je vais me chercher une chemise parce que je crois. Bleh. Putain, je serais mieux qu'une chemise. Ah, le chat. Le chat qui continue de battre de la terre. Faire l'erreur de mettre mon casque sur les oreilles. Alors là, mes oreilles auraient crevé, hein, putain. J'espère que pour Resident Evil 5, il y aura un mode réduire la fenêtre. Ou quitter le jeu, tout simplement. Ça se voit que le jeu n'a pas été prévu après pour jouer sur PC, hein, ça se sent. Franchement. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas vu, c'est les araignées. Il va y en avoir là. Parce que je vous ai parlé des. Des serpents dans les boîtes, mais il y a aussi des araignées, il me semble, dans des boîtes. Non, c'est un serpent. Ce serait con que Ashley meure à cause d'un serpent de merde. Ouais, le vendeur, il fouille rien, vraiment. Bon, c'est pas un truc de gameplay, évidemment, mais bon, quand même. C'est bizarre, cette torche a fait un peu bizarre par rapport au lieu.
que c'était à la fenêtre quoi le truc. C'est pour acheter. Welcome. Welcome. Ah, et là on va avoir des nouveaux objets vraiment cool. J'ai une mallette L, une carte trésor château. Le black tie, je sais ce qu'il fait. Puissance de feu 1,6. Ah ouais, 1,6 niveau 1, c'est vraiment fat. Hein. Limite, je regrette un peu d'avoir augmenté mon punisher. Non, en vrai, non. Je ne regrette rien. Ouh. Alors, en vrai, ouais, lance-mine. Alors, lance-mine, je savais qu'il était là. Finalement, je savais pas que c'était celui-là à ce moment-là. Le lance-mine, c'est vraiment une très bonne arme. Il y a le fusil semi-auto qui est pas mal du tout aussi. Mais alors, je suis désolé, hein, je vais partir sur le riot gun. Hein, parce que c'est... Mais avant chez le riot gun, je vais vendre mon fusil à pompe. Ouais, tu peux déjà faire des tirs de précision en théorie avec le pistolet donc. Is that all? Thank you. What are you buying? Mais qu'un seul, je pense que je vais l'acheter. Riot gun. Même à longue portée. Ça, je te crois pas, mais vas-y. 5 de puissance, oh là là. Je vais me faire plaisir. What are you buying? Is that all, stranger? Thank you. Punisher. Black Tail, en plus, il est beau comme flamme. Non, Punisher, je confirme, c'est bien 5-7. Et ça, c'est un HK. Pistolet allemand. C'est un Colt 1911. On dirait le Samurai Edge en plus. Ça, pour le coup, je sais pas c'est quoi le nom de ce flingue. Je crois que c'est un Mauser, un truc comme ça. Ça, c'est un Colt, enfin un Colt. C'est un 6 coups quoi. J'ai un Colt, mais c'est un 6 coups. Vous m'avez compris. TMP, lance-mine. Lance-mine, en vrai, il est fun en plus comme flingue, mais il va nous prendre trop de place. Faut pas que j'ai trop de flingues sur moi. Deux, ça me suffit largement. Oui, quand on va faire l'esprit avec Kaz, je vous le dis, hein, maintenant vous savez d'avance, voilà. On va faire un l'esprit avec Kaz. Ça va être pareil, on va avoir deux armes sur nous chaque fois. C'est vraiment pas mal en puissance, je pense. Enfin, moi, en tout cas, sûr, j'en aurai que deux. Un Krekas, il va avoir 15 000 sur lui. C'est ce qu'il veut. Cette partie-là, elle est un peu chiante. Je vous tease, hein, mais elle est un peu chiante. C'est vrai que le fusil, ça me tente. En fait, il y a deux endroits que le fusil, ça me tente de l'avoir. Ici, il y a un autre endroit. Plus tard, je vais vous aller voir. Alors vous pouvez vous dire pourquoi tu restes pas là au spawn et tu les attends tous venir ici. Parce que je crois qu'il y en a qui viennent tomber après. Les catapultes. Alors il y a un endroit que les catapultes peuvent pas. Ils ont un endroit que les catapultes peuvent toucher, enfin peuvent tirer au doute non.
Ouf. Merde. Ah, il peut tirer là? Ah, je savais pas. Oh, quelle indignité. J'ai fait vraiment que de la merde. En fait, est-ce qu'il y en a qui one shot des Plagas ici? Patrimoine FDP. Si, il me semblait qu'il y avait Jean Faux et ses amis qui m'attaquaient. En fait, non, pas du tout. Mais là, j'en fous. Attendez. Ce gros FDP était ici. J'ai passé où? Ils font un peu peur ces mecs, hein. Mais juste un peu. Ah, j'ai pas pris le coffre d'ailleurs pour... Enfin, la carte au trésor. Je sais pas ce que c'est quoi, mais j'ai ramassé un truc. Je sais pas ce que c'est quoi, putain. Je parle tellement bien le français. Mais sérieux, il touche comme ça le bâtard? C'est pas maintenant les Plagas, donc j'en profite. Les Plagas, ce sera dans le château. Je sais plus comment ils font ici en speedrun, mais c'est juste n'importe quoi, c'est tout ce que je me souviens. C'était moins chaud dans mes souvenirs. Mes souvenirs, c'était tout le temps, partout, de tous les côtés. C'était infernal. Non, ça va, on a vu genre 4 et c'était tout. D'accord, non, ça va tranquille du coup. Welcome. Welcome.
Got some rare things on. What are you buying? Is that all? They come back any time. Leon, where's your current position? We decided to lay low in a castle, but it looks like it was a bad move. Meaning? Well, it appears that this castle's also connected with the Los Illuminados. You must not get many visitors here, because they're giving me one hell of a welcome. Sounds bad. I have an idea, Leon. I need you to... What? Repeat, Hunnigan. Great. Just my luck. Alors, je suis tous un endroit très accueillant, je vous préviens. C'est que d'amour et de paix. Ouais, c'est vraiment ces énigmes, c'est vraiment genre. Les énigmes, je vais recatch, je vais pas parler, mais c'est vraiment genre des énigmes pour enfants attardés. Hein. Je suis désolé, hein. Franchement, c'est genre. Là, tiens, une épée de platine dans une plaque en or. Étrange. Genre, c'est bizarre quand même. Oh, bah tiens. Une épée en or dans une plaque en platine. Bon, par pitié, quoi. Matalo. Deux secondes à Ashley. Merci. C'est loin, lui. Un petit doute. Mec, je le lacère, mais... Putain, c'est ça, le truc que je vous parlais. Ah, c'est pas un délire, genre, y'a que les mecs en rouge. Voilà, genre, franchement, c'est vraiment, genre... Oh bah tiens, je mets l'épée en or sur la plaque en or, je vais mettre l'épée en platine sur la plaque en platine. Je me demande si ça va marcher. Il y a une énigme, en vrai, qui est un peu ardue. Genre, vraiment, c'est... Après, c'est pas un jeu énigme, c'est un jeu d'action, donc normal qu'il faut pas trop mettre d'énigmes. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont forcés à mettre des énigmes parce que c'est Resident Evil, et que dans Resident Evil, il y a des énigmes. J'ai pas d'autres explications à ça. Et encore, peut-être que l'énigme que je vous parle, en fait, c'est dans mes souvenirs, c'était un peu ardu, mais en fait, c'est complètement con. Qui bien suivi la pompe. Leon, Louis, I've got something for you guys. What? Oh shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No. You stay here with Leon. Mais? He's better with the ladies. I'm sure. Why are you... It makes me feel better. Let's just leave it at that. D'accord. J'aime bien ce personnage en vrai. Il est sympa. Ah, ça a rien d'aller là, mais je vais quand même y aller. Thank you.
complètement oublié ça. Non, du coup, il n'y a pas que les mecs en rouge. Ok, recul. C'est bon. Mystère vert, un œuf, ce que tu veux, mais de la vie, non. Là-dedans ? Non plus. Des pesetas. Je crois que 1500 pesetas, c'est la moitié de, d'un truc de soin. En vrai, attends, c'est quoi ? Il est temps de le manger. Il va périmer sinon. Allez, Léon. J'ai peur que prochain coup là-dessus en fait. Ah merde! Qu'est-ce que c'est? Attends, ici, je l'ai. Je refais le cul. C'est bon. Non. Ça savait bien qu'il y a des mecs au bouclier, bon ils étaient pas là, ils étaient sur le chemin en fait. Là ok, le pont, le macarabat. Par contre, le macarabat, j'ai complètement oublié. Je savais même plus qu'il y en a qui tirait. Aussi, en plus, on a vu à l'église, je pensais que c'était juste pour une cinématique quoi. Mais c'est pas nécessaire, il me semble ça. Ça one shot ce truc là, je rappelle. Allez. Mais ici on peut pas juste y aller, ça, je suis quasiment sûr par contre. Là où on est. La barre de vie et commence à bien monter hein. Par rapport au début du jeu là. Parce qu'il nous montre la petite barre blanche là, qui était comme ça au début du jeu. Ah ça vous avez pas ma vie. Est-ce que ma cam serait pas mieux en haut en fait? Vous voyez pas ma barre de vie, tiens je viens de capter. Ah non s'il fait bien la clé du coup. C'est vrai que la clé c'est genre un truc bonus, genre à un moment du jeu pour faire avoir un raccourci en fait. Oui, ici par contre je crois que c'est un peu gag ce qui se passe. To wonder when you might notice us. Who are you? Me llamo Ramón Salazar, the eighth castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Saddler. Pourquoi ils disent Lord Saddler et pas Seigneur Saddler? Ou comment on dit Seigneur en espagnol en fait? Qu'est-ce qu'on dit Lord? For your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never. Got that right. We'll find a cure. Par contre, je trouve qu'il y a un vrai problème dans ce jeu, mais scénaristiquement un vrai vrai gros problème, c'est qu'il y a une logique complètement conne dans le fait que Lord Saddler veut nous avoir vivants en tant qu'infectés. Par contre, tous les autres veulent nous buter.
Et le Big Cheese, là, le boss, là, le gars qu'on a battu avant, le Mi-Pat, là. Bah, lui, c'est encore plus bizarre parce que un moment il veut nous tuer, un moment il veut plus nous tuer, un moment il veut nous tuer. Enfin, chou le mec. Enfin, quoi que non, en vrai, au début, il voulait pas nous tuer, d'un coup, il veut nous tuer. D'accord, si tu veux. Chelou, quoi. Encore, on peut justifier ça par le fait que, bon, on a massacré tous ces villageois, c'était un peu le maire du village, voilà, ça se casse les couilles, quoi. Mais quand même, hein. Ah oui! Ah, j'adore cette partie-là. Vous allez comprendre pourquoi. Faut pas aller par là, faut dire à Chad ici. Wait. Follow me. Non, c'est après. C'est compliqué dès le début, mais non. Là, on prend le pistolet, faut que je sorte mon pistolet. J'ai oublié à quel point, par contre, le pistolet faisait très peu de dégâts en fait. Pour moi, avec un pistolet comme ça, à ce niveau-là, tu. Enfin. Avec les améliorations que j'ai là, je pense que j'ai tué en 2-3-4 balles. Non, je suis armé 6 balles, ils sont pas morts les cons. J'essaie de dormir que c'est vrai, il est entré dans un château. Pourquoi vient-il avoir une invasion? Je me demande quelles sont ces situations. Quand vous aimez qu'il revienne dans un château, il a pris les vaccins quand il avait dans un château. Parce que c'est important, nous avons tout pris. C'est gentil, on trouve un débat. Un groupe de quelqu'un d'autre impliqué dans cette affaire, c'est toujours devenu tout ça. Il y a plusieurs fois qu'il y a un groupe impliqué dans cette affaire, et c'est marrant parce que moi, quand j'avais vu, je ne pas rebondi dessus en mode. De, je me dis, les mecs devaient être parano ou juste du pif, quoi. Et non, en fait, il y a vraiment. Il y a vraiment une logique. Mais voilà, c'est pour ça. Il y a vraiment une logique en fait, et c'est pas. Je vous dis pas, mais en fait, à la fin, on le saura. C'est vrai qu'à la fin, on sait. Parce qu'il y a une aventure secondaire. Où on voit tout du coup ce qui se passe par rapport à ce fameux groupe secondaire. Ah ouais, ce truc est trop bizarre. Son existence est trop bizarre. Mais plus que le Eldigente limite. Je vais expliquer pourquoi. Bon, déjà parce qu'il est humain, enfin il a l'air humain. Et qu'ensuite il a les yeux cousus, il est attaché mais il arrive quand même à se libérer. Donc pourquoi il est resté s'il peut se libérer lui-même? Pourquoi les yeux cousus? C'est pas une arme dans leur intérêt, c'est quoi? Est-ce que c'est un plagas déviant? On sait pas comment ils ont eu le temps de coudre les yeux alors que le machin est attaché. C'est bizarre, je trouve ce truc trop bizarre. Alors là tu peux le tuer au fusil. Genre le fusil, pas celui-là, le fusil. Follow me. Ça, les bruits de pas par contre sont dégueulasses, ça a très mal vieilli. Wait.
Bonjour, est-ce que je peux avoir un vrai pistolet et pas un airsoft? Merci. Follow me. Non, je suis désolé, mais faut abuser quoi. Il y avait un truc de fusil à pompe. C'est un peu intéressant, mais je vais le faire bien tourner. Pas fait exprès. Tellement ridicule. On dirait moi quand je donne un coup de pied. Ici en vrai, j'ai envie de lancer une grenade sur les boucliers et en fait de me foutre dans un coin avec Ashley et genre de dégager tout fusil à pompe parce que tu n'as aucun qui m'attaque à distance. Le mec est quand même dit derrière toi. Quoi qu'à Yesta, je suis pas sûr que c'est ça. Mais j'en ai quoi en semaine de très longtemps. Pour être honnête, j'étais le plus loin de ma classe. C'est un Plagas, c'est sûr. Il me semble qu'il y a un délire comme quoi les bonhommes en rouge sont tous des Plagas. Ashley, qu'est-ce que t'as foutu? Mais putain! Mais sérieux quoi, putain. Mais quel mongol. Eh, franchement, être la fille du président, ça empêche pas d'être complètement con. Oui, je suis dans la tête, en fait, les plagas sont pas si chiants à tuer que ça, ceux-là. Putain, j'ai loupé ma balle, quoi. Ouais, c'est mort.
Putain, il a déjà fait le tour lui. Tire. Ah, je ne sois pas débile, s'il te plaît, cette fois. Ouais, c'est Léon qui est débile. Des missiles tout ça, mais ça fait plaisir. Évidemment, pour le coup, il fait vraiment des vrais dégâts. Ça, c'est un vrai plaisir. Putain, on avance vite dans le jeu. Ce que je viens de me dire là, la dernière fois que, qu'on a repris le jeu, c'est au moment de libérer la chien, on est déjà là quoi. Non, Léon. Qu'est-ce qui t'arrive, Léon? Je vais A, ça va être tab, et tab, c'est pour ouvrir l'inventaire, et A, c'est pour se retourner. Parfois, j'appuie sur la touche. Ah, mais par contre, il y a des trucs là, il y a des vases, j'ai vu. Ah, je les ai déjà pétés. Ok. Il y a rien dedans, quand même. Je pense. Du coup, la musique est effrayante, c'est-à-dire qu'il y a encore des ennemis. C'est comme en Skyrim, hein. La musique se lance quand il y a des ennemis qui arrivent. Putain, je fais des suplexes, quoi. Sinon il y avait deux chaises, hein. Faut les mettre sur les plateformes, mais bon. Après ici, non, je vais leur pourrir la gueule. Il fait des suplexes, Léon. Pourquoi? Pourquoi pas, hein. Mais elle est à côté de moi. Ok, t'as intérêt de crever mais en deux cartouches. Merci. Utiliser sur... Ah, je l'ai... Ouais, c'est moi qui dis non là par contre, tu es sur...
Oh non, putain, sérieux. Toi. Attends, mon plan basé sur celui rapidement pour tuer l'autre. Mais bon, si l'autre aussi, il lui faut 1000 balles pour le tuer. Vous comprenez que mon plan est un peu dur à mettre en place. C'est vrai, dans mes souvenirs, genre tu remettais une balle dans la tête, un coup de pied, ça les tuait quoi. Il y a Hunk dans un mode spécial qui s'appelle le mode mercenaire qu'on peut jouer. Il peut one-shotter les ennemis au corps à corps, c'est pas une blague. En fait, il faut leur tirer dans le genou, leur passer dans le dos et brise-nuque. En fait, Léon va plus vite. Mais Ashley va moins vite, mais du coup, on peut protéger Ashley avec Léon. Il me semble que c'est ça. Vous montrez que j'ai soigné Ashley avec la plante spéciale, c'est fait exprès. C'était pour augmenter un peu la vie d'Ashley parce qu'Ashley elle est un peu low life et elle se fait trop vite tuer, je trouve. Ah, il faut protéger Ashley, c'est horrible. En plus, j'ai pas le fusil. C'est là la deuxième partie, je disais que le fusil serait bien. La première, c'était ok, les catapultes, en fait, finalement, non, puis cette partie là. Lancer des grenades en vrai, mais bon. Merde, j'ai tout vu. Non, ça, j'ai rien vu. Watch out for me. Oui. Oui, d'accord. Je crois que par contre, ils sont plus fragiles du coup. Ouais, c'est ça. Ah oui, j'ai oublié ça aussi, ils viennent te rendre visite. Tire, 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 tire. J'ai plus de balles. Oh putain oui. Oh je sais pas qui est le dieu des pistolets mais béni soit-il. Selon Donald Trump. Il casse tous les couilles. J'ai réussi quand même à tomber à court de balles, de pistolets quoi. Putain, c'est genre, je les collectionne. Si seulement les fusils à pompe dans les jeux vidéo c'est réaliste. Il serait tellement mort le mec. Bon, les jeux vidéo de base sont pas réalistes sur tous les points en fait. Hein. Aucun point je n'ai réaliste. Aucun. Je reprenais un truc et je vous montre que c'est faux ce que vous dites.
peux te dépêcher, il y a un machin qui arrive. Oui, bah je suis là. Leon. Non, en vrai, Ashley, encore une fois, elle est pas si chiante que ça. Non, le karma, tu me feras pas dire le contraire. Ah, ça va, saute. Ah, sympa ça, j'ai oublié. Ah, ici, un vendeur, je crois. Oui, voilà, putain, je vois dans quoi. Et il y a aussi un truc caché à gauche, je crois. Donc, il y a un vendeur, il y a toujours un trésor. Ah, oui, il y a un stand de tir et on peut débloquer des trucs, je crois. Oh yes, puissance de feu, mais tellement mec. Je augmente tout parce que je vais tout augmenter, mais 20 balles le Punisher. Oh putain, encore. Oh quel plaisir. Oh, c'est vrai que j'ai pas pu augmenter. Alors, vitesse de rechargement, je dis pas non parce que fusil à pompe prend vraiment 3 ans de recharger. Vendre fusil, c'est con, mais on peut pas acheter de. C'est ok, allez, quoi faire. C'est con, ouais, mais on peut pas acheter de munitions, je crois. On devrait bien acheter des munitions de pistolet, du coup. Il y a pas vraiment, il y a des chevaliers qui vont m'attaquer. Je sais pas, le jeu, mais je pose une vraie question. Est-ce qu'il n'y a pas de chevaliers en moi? C'est vrai que je vous recevrai un prix en marquant plus de 1000 points. Les points bonus seront attribués pour les tirs dans la tête. Une cible hasard permet de gagner beaucoup de points peut apparaître après des coups successifs. Si vous tirez sur une cible Ashley, vous perdez des points. Un bouchon de bouteille sera attribué tous les 1000 points. Vous gagnerez des bouchons de bouteille spéciaux lorsque vous atteindrez toutes les cibles en bois. De 3500 points. J'ai déjà parlé à ce type. Welcome. Résultat, prix rare obtenu, coup au but, score 2750, prix 3. C'est dur d'avoir 3500 points en fait.
Là, ce serait l'occasion d'apprendre à Ashley à tirer avec une arme, puis lui en passer une et puis voilà quoi. Merde putain. 2700, t'as le même score. Nombre de prix 5. Sympa. Gagner 5 bouchons de bouteille. Merci. On gagne pas de funk. D'accord. Pourquoi pas, hein. Une grenade dans un truc comme ça. Pourquoi pas. Fusil à pompe, je dis vraiment pas non, putain. C'est ce qui vend des munitions, j'ai jamais fait gaffe en fait. Hein. J'ai quand même dû parler. Il me faut vraiment des balles en fait. Parce que je suis en galère. Ah, j'ai fait un bal de pistolet quoi. Fusil à pompe, ça va à peu près. Je tire trop comme un con en même temps quoi, quand on peut pas les avoir, ils sont trop nombreux. Acheter. Ils vont pas de munitions. Merde, merde, merde. Je pensais pas que je tomberais à court de munitions quand même. Je vous avoue. What are you buying? L'ensemble ne peut pas être amélioré. Enfin pour l'instant. On va monter en haut, voir ce qu'il y a. Ok. On est de l'autre côté alors. Il n'y a pas d'autre côté. D'accord. A plus. Je sais pas du tout comment ça se passait, sauvegarde dans l'ancien jeu, mais. You're right? I'm fine! Leave me alone! Ashley, wait! Ah oui! Ce truc c'est bien calculé. Ashley! What's going on? Genre en vrai, qui a calculé ça? Mon seule explication, c'est que le Plagas a été activé pour. Genre, a été contrôlé pour que je te fasse ça. Sinon, c'est trop débile. Genre, non. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter le live? En vrai, ça me fait chier, ça fait qu'une heure cinquante pour mon live. J'aurais aimé faire genre 2 heures. Non, on va arrêter le live là. Moi, j'ai travaillé aujourd'hui, hein, je rappelle, donc c'est un peu chaud. Je trouve que c'est un bon moment pour arrêter en fait. Soit on verra ça demain. Voilà. On verra ça demain. Oui, le chat est toujours en train de battre de la patte. De toute façon, je mets de la musique. Je suis content parce que là, il n'a pas planté. Il n'est pas marrant. Il faut vraiment qu'il soit plat. Il va pas de la pâte. C'est trop bizarre. Genre, si je le pose, il va recommencer à battre de la pâte. Miaou. C'est pas trop marrant. Je l'ai vu grave, regardez une petite cochette là.
C'est pas trop bien en vrai. On m'a acheté ça pour mon anniversaire. Je suis content du coup. Il vous fait coucou. Il fait coucou aux gens qui regardent cette VOD, parce que personne n'a vu pour le coup le live avec des gens qui ont vu la VOD. C'est des gens lents. Regardez un jour. Allez, je repose. Voilà, voilà. En tout cas, je suis heureux d'avoir fait ce live incroyable. Le chat vous dit au revoir, parce que au revoir. 1,54, c'est pas très long, mais en même temps, je me dis que tu vois, là-bas, je vais pas stream ce soir, pour de vrai. Parce que j'avais envie de continuer les identificats, je voulais vraiment le faire en live. Et aussi que en vrai, on a fait beaucoup de choses en vrai sur le jeu. On a rebattu un Gigante. On a battu le boss, le premier vrai boss du jeu. Enfin, pour moi, le premier vrai boss du jeu, ouais, c'est le gars du lac. Le monstre du lac, là. Espèce d'axolote. Ou de salamandre, je sais pas trop. Pour moi, c'est le premier vrai boss. Du coup, on a battu le gros boss du village, le boss final du village. On a commencé le château, on est allé jusque... On a bien avancé au château, pour de vrai. Je dirais pas qu'on est à la moitié, mais je dirais qu'on est presque à la moitié du château, pour de vrai. Je déconne pas. Genre, prochain live, même s'il dure que 2 heures, le live, on finit château, je pense. Sans exagérer. Sans le château, en vrai, dans mes souvenirs, il n'y a qu'un boss, pour de vrai. Ouais, il n'y a qu'un vrai boss, après... Et normalement, si tout va bien, ce week-end... Avec Kaz, on fait un let's play sur Resident Evil 5. On s'est mis d'accord pour le faire en week-end. Je sais pas si on va beaucoup jouer. En fait, franchement, je pense que si on fait genre 4-5 heures de live par jour, le jeu on finit facilement en fait. Pour de vrai. Même si on fait 4 heures par jour, on finit facilement. En 8 heures, le jeu est largement bouclé. Hein. Je crois qu'en 5-6 heures, le jeu se boucle facilement. Vu qu'on va être deux et qu'on va synchroniser, qu'on va pas jouer en difficulté hardcore et tout, ça va aller vite. Et puis on est fort, moi et Kaz, donc. Devrait aller. D'ailleurs, on streamera simultanément. Exceptionnellement, d'habitude, c'est plus casse qui stream parce que son stream marche mieux. Vu qu'on a la carte graphique, on peut streamer simultanément. Voilà. C'est vrai qu'il est trop mignon. Il y a un gars qui a demandé si c'était un truc communiste. Je faisais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Non, j'allais manger un petit truc, je vais peut-être me faire un DBD. Ah, j'ai pas dit! J'ai fini ma faille ce matin. J'étais trop content. J'ai réussi à faire le défi là des deux mecs par terre, faut les réanimer et tout. Putain, j'ai réussi, ils comptent sur un mec, un bot. Oh putain, les bots qui sont cons, et merci qui sont cons d'ailleurs. Il a quand même réussi à mettre 3 personnes à terre. Avant, j'ai eu peur que la 4ème personne se mette à terre, mais un bot trop con. Il s'est foutu contre un mur et est devenu complètement débile. Contre une voiture, plus exactement. Mais alors, c'était un spectre bot. Alors, je crois que c'est le truc le plus simple à coder, parce que pour l'instant, les seuls vrais bots que j'ai vu, c'est que des spectres. J'ai vu que des spectres. Le mien que j'ai codé de bot, parce que oui, j'ai codé un bot, ceux qui ont vu ce que j'avais dit. Je sais pas si c'est légal, je pense pas. Je l'ai fait pour tester et c'est plutôt pratique. Parce que du coup, il a joué à ma place hier en fait, pendant une heure, ce qui a bien aidé dans ma faille à avancer. Ce qui a fait un niveau complet en fait. Et en fait, moi, le bien, c'est un fléau que j'ai codé. Et ben lui, le spec que j'ai vu, il se mettait invisible, il tapait et tout. Enfin, il avait l'air vraiment pas. Pour un bot, pas trop con. Le bien, il est complètement teubé. Le bien, c'est. Je m'en fous. L'important, tant qu'il tape des survivants et qu'il court un peu après, moi, je m'en fous. Ça fait genre participation, donc XP, donc. Et donc avançons dans la faille, donc je m'en fous. Voilà, voilà. En vrai, bien sûr, des bots, je ne sais pas tout le temps. Ah, je jouais pour de vrai, là. Je veux dire un bot, je n'ai pas intérêt sinon. Quoi. Enfin, bref. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce live. Ou la VOD, surtout, en fait. Merci d'avoir regardé cette VOD. Je vous dis... à demain, j'espère, parce que demain, je retaf. J'essaierai de continuer Resident Evil 4. Parce que j'aime bien, en vrai. Sinon, je ne sais pas ce que je ferai. Aussi, Resident Evil 2. Non, je pense pas que Resident Evil 2, je le ferai en live. Je vous le dis quand même. Allez, la bise.